Allez, c'est parti. On va s'échauffer un peu. Thank you.
Et tu te dis non.
You love the team boy.
15 years old, smoking and rolling cigarettes. Running from the law to the backfields and getting drunk with my friends. My first kiss on Friday night. I don't reckon that I did it right. I was younger then. Take me back to when we found. Yeah.
Pliez la jambe de dessous. Allongez bien votre corps. Essayez de se étirer. Allez, courage. On y va avec la jambe de dessous. C'est parti. En haut et en bas. Allez, tirez sur votre couloir. Ok, on reste en haut. Sur la fesse, prenez la bouteille. On est parti. C'est parti, on serre. Serre, reviens. Serre, essayez de ne pas bouger la jambe. C'est automatique, c'est que la jambe. Si le bras bouge, on a envie de bouger la jambe. Allez, serre le ventre. Serre. Encore. N'hésitez pas à garder la tête au sol. Et contractez les chutes de la taille. Pam, pam, pam. Voilà. Est-ce que vous pouvez serrer vos fesses?
On donne de la longueur, de la longueur. Vos genoux ont qu'une envie, c'est de s'écarter vers l'extérieur. Donc, gardez les adducteurs un petit peu plus connectés pour qu'on puisse garder les genoux dans l'axe. D'accord? Allez, on respire. On fait l'inverse, les filles. Talon, 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 talon. Attention, on n'a rien changé aux genoux, au bassin, aux fesses, à la ceinture. On a toujours de la longueur dans son corps. Allez, on s'accroche. On souffle bien. On souffle, on inspire. Et on reprend les pointes de pied. Allez. Comme si on prenait le rythme de la musique. Allez, pam, 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 pam. Serrez les fesses, hein, les adducteurs, les abdos, tout est guéri, on lâche rien. On est là, on est là. On reprend les talons. Talons, 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 talons. Vous n'avez pas triché, hein. C'est serré les fesses, les abdos sont serrés, serrés, serrés de la longueur entre votre crâne et les genoux. Allez, hop, normalement vous commencez à sentir la chaleur qui monte en vous. On reprend les pointes de pied, pam, 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 pam. Vous n'avez pas lâché les fesses, hein. Les abdos sont toujours connectés. Parfait. On reprend une dernière fois les talons. Talons, talons. Hop, hop. Et non, on lâche pas les fesses, on lâche pas les fesses, on lâche pas les abdos. Tout est serré, tout est verrouillé. Stop. Gardez vos fesses bien serrées. Je vais vous demander de mettre votre cheville droite sur le genou gauche sans rien lâcher. On ne lâche rien. Ça va? Mais si, c'est dans la tête, dans la tête. Tout va bien, on est bien là, on est bien, on est bien. Comme sur le transat, parfait, avec le petit cocktail qui va bien. On sent rien, t'as la chaleur qui monte là, c'est normal. Ça va le faire, ça va le faire, restez concentrés. Encore, faites attention aux crampes derrière les cuisses. Là. Hop, hop. Changez de jambe doucement. Voilà. Parfait. Attention à ne pas vouloir monter trop les fesses. Hein. Gardez vraiment l'allongement au niveau de la colonne vertébrale. Allez, on maintient, on maintient, on maintient juste pour toi. Est-ce que vous pouvez serrer un petit peu plus vos abdos? Allez, serrez, vite, fait la ceinture en 30, 2, 30, 3, 3, 4, 3. On lâche rien. Ok, mettez les deux pieds serrés. Joints, 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 avec les genoux fermés. On n'a pas dit qu'on posait les fesses. Hein? Non, 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 non. On écarte les genoux maintenant. Écarte et reviens. Ne soulevez pas les pieds. Les pieds restent accrochés au sol. Allez, on tient bon, on tient bon. On ouvre et on referme. On ouvre et on referme. De la longueur dans votre colonne vertébrale. Même si vous avez l'impression de ne pas être haute, ce n'est pas grave. D'accord? Est-ce que vous pouvez maintenant rester fermé avec
On la prend. On a les deux bouteilles dans mes mains. Ok? Vous allez faire alternance, un bras, un culotte. Jambes et bras. Contrôle la descente du bras. Bras opposé à la jambe. Bras opposé, c'est ça. Donc ça, c'est la première option, d'accord? Même si vous avez le pied par terre, je ne veux pas que ça bouge au niveau du bassin. Restez verrouillé. Deuxième option, vous avez les deux jambes à 90 degrés et vous continuez la même chose. Allez. Super. Si ça va, on ralentit, on descend un petit peu plus bas. Hop. Et on revient. Tout est dans le contrôle. Si vous descendez trop vite, hein, si vous prenez le relais dans les cuisses et dans le dos, c'est pas bon. Vous revenez sur le mouvement précédent. Voilà. Est-ce que je peux voir un petit peu plus de contraction? Rentrez-moi le nombril. Prenez les options. Encore. On souffle et on revient. Yes. Est-ce que vous pouvez rester? Ne bougez pas. Donc, soit vous avez la jambe et le bras bas, soit à 90 degrés, soit vous avez le pied posé par terre avec le bras opposé. On tient, on tient, on tient, on tient. Changez de côté. Restez de l'autre côté. Allez, respirez, respirez. On s'accroche jusqu'au bout. Et on revient. On relâche. Petite pause. Ok. On continue avec nos bras et on continue avec nos jambes. À la jambe. La jambe, elle va faire pause et revient. Pause et revient. Ça marche? On creuse, c'est comme si on était avec une pelle. Attention parce que vous avez le bassin qui roule. Donc, il faut serrer davantage la ceinture. Ça marche? Ok. Je veux que les bras aillent vers le plafond. D'accord? Ensuite, vous les amenez derrière. Derrière. Avec les deux bouteilles. On est d'accord? Si ce n'est pas possible avec les deux bouteilles, ben c'est simple, on en pose une. Ok? S'il y a des personnes qui peuvent, 90 degrés. Attention, on ralentit. On ralentit. D'accord? S'il y a des personnes qui peuvent, la cuillère encore plus ralentie avec les deux jambes. On ralentit, on ralentit. Prenez le temps. Attention avec les deux jambes, je veux vraiment une maîtrise de la ceinture. Si ce n'est pas possible, je répète, une jambe après l'autre à 90 degrés, si ce n'est pas possible, un pied au sol. On reste devant, soit avec une jambe, soit avec les deux, soit avec un pied par terre. Glissez, 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 glissez. Pour les personnes qui ont mis une seule jambe, changez de jambe. I don't know who's gonna kiss you when I'm gone. So I would love you now. Like it's all I have. On relâche. Parfait. Posez les bouteilles sur le côté. On va se tourner, on va se mettre sur les mains. Si ce n'est pas possible, vous vous mettez sur les avant-bras. Juste là. Vous mettez sur les mains en position de gainage, avec les pointes de pied au sol ou avec les genoux au sol ou avec les avant-bras au sol. Hein? Mais alignez bien vos épaules avec vos poignets, alignez bien avec vos coudes si vous avez les coudes au sol. Cherchez de la longueur entre votre crâne et votre coccyx. Il faut vraiment de la longueur et du rétrécissement au niveau de la ceinture. Ça marche? Ok, je vais vous demander de tourner doucement et de revenir. Tournez
Et revenez doucement. Prenez votre temps. Souvent. Et reviens. Si vous êtes sur les genoux, vous montez juste un côté avec le bras et vous revenez. Juste un côté et vous revenez. Même chose si vous êtes sur les avant-bras, vous pouvez tourner en tendant une jambe. Une seule jambe. Et vous revenez, d'accord? Prenez la position que vous pouvez. C'est ça. Impeccable. Voilà, prenez le tour que vous pouvez. Est-ce que vous pouvez rester devant et ne plus bouger? Parallèle au sol. Est-ce que vous pouvez tirer encore un petit peu plus? Allez, tenez bon. N'hésitez pas à vous positionner sur les genoux si c'est nécessaire. On pose. Poussez les fesses vers l'arrière un petit peu, allongez bien le dos. Encore un petit peu. Ok, replacez-vous dans l'axe. On reprend. Soit avec les pieds au sol, soit avec les genoux. On tourne. On se replace au centre. Tournez-vous. Est-ce que vous pouvez vous concentrer sur l'engagement du périnée, l'engagement de la ceinture et toujours avoir le dos long, long. Voilà, le reste va se placer au fur et à mesure. Ce qui est important, c'est votre centre du corps. Plus vous êtes engagé, mieux c'est. Le reste de la posture va se mettre en place, ne vous inquiétez pas. Encore un petit peu. Une dernière fois de chaque côté, vous restez au centre. Voilà, restez au centre maintenant et ne bougez plus. Soit sur les mains, soit sur les avant-bras, soit sur les pieds, soit sur les genoux. On reste le plus gainé possible. Et on relâche. Posez vos fesses contre les talons et récupérez. Voilà, récupérez un petit peu. Allô, allô, est-ce que vous êtes toujours là? Ça va? Ouais. Vous parlez plus, c'est bon. Ça va, Manu, t'es sûr? Oui, ça va. Perfect. Ok. Après, le paramètre chien, que j'ai le chiot qui est venu me... Oui, j'ai vu, tu n'es pas laissé déconcentrer par ton chien. On continue avec les étirements, avec le stretch. Est-ce que tout le monde reste avec moi? Yes. Ouais. C'est good. Ok, c'est parti. Alors, je mets la musique et puis on va se détendre et s'étirer. Ok? Allez, c'est parti. Alors, je sais que ça va être dur, mais on va se redresser, on va se lever. Si vous avez besoin d'enlever les chaussures, vous pouvez. Bien. C'est la perturbatrice. Petite toupie. Elle est là. Elle m'embête. Appelle-la. Alors, son père. Allez, c'est parti. Hein? Hop. Allez, on s'installe debout. Essayez de mettre votre tapis derrière derrière vos pieds, derrière vos fesses. Comme ça, on l'aura pour après. D'accord ? Ne laissez pas trop loin. On va commencer avec les pieds un petit peu écartés à 10h10. D'accord ? Voilà. À 10h10, toi agrandis. C'est vous. Cherchez vraiment de la hauteur entre le crâne et le coccyx. Ça marche ? Montez votre bras droit. Montrez votre bras gauche. Allez chercher doucement un peu à droite, un petit peu à gauche. Quand vous faites ça, vous avez tendance à pincer au niveau de la taille. Essayez de chercher toujours.
toujours cet allongement au niveau de la colonne vertébrale. Je coupe juste les micros parce que je ne l'ai pas coupé. Voilà, allez chercher vraiment un côté puis l'autre sans monter les épaules dans les oreilles. We'll stumble and fall. Restez à droite et relâchez le bras gauche. Détendez bien le bras gauche et cherchez à allonger tout le côté droit. Faites l'inverse. Montez l'autre bras, descendez vos épaules et allongez, allez chercher loin vers vous. Pensez toujours à bien souffler et reprenez bien votre. On relâche. Vous allez pousser avec votre main droite en même mur. Gardez les deux épaules vers le bas. Avec votre bras gauche, vous attrapez votre tête et vous inclinez doucement sur le côté. Sans monter l'épaule dans l'oreille. Relâchez bien votre épaule. We'll swallow my pride. Your on ramène, même chose de l'autre côté. Poussez avec la main gauche le mur. Détendez bien vos épaules. Et avec votre main, vous attrapez votre oreille et vous penchez légèrement sur le côté droit. Essayez de faire un petit peu au maximum. Ok, on relâche. Poussez votre main droite dans le sol. Poussez votre main gauche dans le sol. Et descendez vos deux épaules. Essayez vraiment de pousser, de baisser, de tirer sur le cou. Partir des épaules, attraper vos cheveux. Et vous sentez que la tête s'écarte du cou. Le cou s'écarte de vos épaules. Essayez de sentir cette longueur. Pensez toujours à bien souffler, hein. Reprenez bien votre oxygène. Hop. Voilà, étirez, allongez-vous. Say something. Parfait. Descendez vos bras derrière les fesses, attrapez vos mains et continuez à baisser vos épaules. Continuez cette longueur au niveau du crâne. Essayez de sentir toujours la tête qui sort du cou, le cou de vos épaules. Et baissez vos épaules. Pensez à souffler. Hein. I put a spell on you. Because you're mine. Parfait. On reprend. Pousse avec la main droite. Avec le sol. Attrapez de nouveau la tête. Inclinez-la et tournez-la. Tournez-la vers l'épaule. Et restez. I tell you I lie. I lie. You know I can't stand it. You're running around. On revient. You know même chose de l'autre côté. Vous avez l'autre main dans le sol. Attrapez votre tête. Voilà. Inclinez-la et tournez-la vers les autres. Juste les bras qui tournent.
Because you're mine. Ok, on relâche. D'accord. On redresse. Allez chercher loin, loin vers vous. Pliez vos jambes. Penchez doucement en serrant les abdos. Et ensuite, vous attrapez le sol. Voilà. On inspire et à l'expiration, on essaie d'allonger ses jambes doucement. Si ce n'est pas possible d'allonger les jambes, restez en flexion. Essayez de pousser vos fesses loin vers le plafond. Poussez le ventre dans les cuisses. Relâchez la tête, relâchez la nuque. Essayez de bien relâcher le haut du corps. Accrochez bien tous vos orteils dans le sol. Pliez vos jambes, posez vos mains sur les cuisses et ensuite vous déroulez vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. Ok, écartez bien vos jambes. Voilà, pliez à droite. Gardez votre genou droit en direction de votre cheville, d'accord? Posez votre coude droit sur la cuisse droite. Allongez bien votre jambe gauche. Essayez de ne pas monter les fesses. Essayez de descendre vos fesses. Allongez le bras gauche. Allez chercher moins, moins, moins vers l'eau. Baissez vos épaules. Parfait. Si vous pouvez aller chercher un petit peu plus loin, au lieu d'avoir le coude sur la jambe, vous descendez votre bras dans la cheville. Et vous allongez encore un petit peu plus votre bras. Attention à ne pas rentrer l'épaule vers l'intérieur, ouvrez votre épaule. N'hésitez pas à garder votre bras sur la cuisse. Descendez votre bras gauche, attrapez le sol avec la main gauche. Voilà. Parfait. Maintenant, vous allez pivoter. On va pivoter pour avoir le pied bien dans l'axe derrière. Essayez de décaler un peu le pied pour être un peu plus en équilibre. Vous avez une main au sol et une main sur la cuisse. Poussez avec le talon vers l'arrière, loin derrière. Essayez de donner un peu plus de longueur à votre colonne vertébrale. Faites attention, vous avez tendance à vous arrondir. Ok, ramenez un petit peu votre jambe de derrière et déroulez doucement. Revenez face à moi et on fait la même chose de l'autre côté. Pliez bien votre jambe, ouvrez bien le pied, le genou, posez votre coude et allongez votre bras droit vers le plafond. Attention à la fesse, vous avez la fesse qui est trop haute. Essayez de défendre la fesse si vous pouvez. Pensez à bien inspirer, pensez à bien souffler tranquillement. Si vous pouvez aller chercher plus loin, vous défendez la main dans la cheville. Ce n'est pas une obligation. Ouvrez bien le bras droit quand vous faites pas. On descend le bras droit. Voilà, tournez les hanches, tournez le bassin, décalez votre pied droit. Voilà, vers moi. Et détendez-vous, essayez de vous grandir le crâne jusqu'au maxi. Ramenez le pied qui est derrière, hop, et hop, vous revenez face à moi tout doucement. Voilà, impeccable. Placez vos deux pieds parallèles, largeur du bassin. Pliez vos jambes et montez vos bras. Maintenant, penchez vers moi en serrant les abdos, direction le sol. Attrapez le sol comme vous avez fait tout à l'heure. Si vous pouvez, vous tendez doucement vos jambes. Si ce n'est pas possible, vous gardez un petit peu de flexion. Essayez de relâcher la tête, de relâcher la nuque et de respirer profondément. Hallelujah, I'm
Maintenant, pliez la jambe droite, mais pas la jambe gauche. Essayez de bien tendre la jambe droite au maximum de ce que vous pouvez. On fait l'inverse, tendez la jambe gauche et pliez la droite. Sans que le bassin s'en aille, essayez de garder les deux hanches au même niveau. Pliez vos deux jambes, posez les mains sur les cuisses et déroulez doucement vertèbre après vertèbre. Parfait. Vous allez avancer le pied droit devant et vous gardez bien le pied gauche derrière. Ça marche? Ouvrez la pointe de pied à droite, ouvrez la pointe de pied à gauche. D'accord? Vous êtes en ouverture de chaque côté. Pliez un petit peu vos jambes, montez vos bras, poussez les fesses vers l'arrière, serrez les abdos et direction le sol. Posez vos mains au sol ou sur la cheville droite ou sur le tibia droite si c'est nécessaire. Vous inspirez et à l'expiration, vous tendez doucement les jambes petit à petit. Si ce n'est pas possible, je répète, vous gardez un minimum de flexion. Maintenant, levez le talon de la jambe arrière pour avoir le poids du corps un petit peu plus devant. D'accord ? Vous avez bien le talon de la jambe arrière qui s'est soulevé. On a le poids du corps un peu plus sur la jambe de devant. Relâchez toujours la nuque, la tête, le dos. On pose le talon, on plie les jambes, main sur la cuisse droite, hein, redressez-vous et faites la même chose de l'autre côté, tranquillement. Posez l'autre pied devant, posez le pied gauche devant, on ouvre chaque pointe de pied, devant et derrière, pliez les jambes, levez les bras, descendez les épaules. Avancez doucement en serrant les abdos, attrapez le sol. Voilà. Si vous pouvez tendre à nouveau, vous tendez. Si ce n'est pas possible, gardez un petit peu de flexion dans vos jambes. N'hésitez pas à placer les mains sur le pied ou sur le tibia pour être plus à l'aise. Relevez le talon de la jambe arrière. Ok, posez le talon, pliez les jambes, mains sur les cuisses et on se redresse doucement. Parfait. On va aller se mettre sur le tapis. Vous allez positionner vos genoux sur le tapis. Ok? Vous allez avancer votre jambe gauche devant. Avancez votre jambe gauche devant. Et gardez votre genou dans l'axe par rapport à votre cheville. D'accord? À l'aide de votre main, vous reculez bien votre genou droit le plus possible derrière. Une fois que vous êtes bien positionné, vous vous redressez au maximum. D'accord? Et vous redressez vos bras en direction du plafond en relâchant bien vos épaules. Voilà. Faites attention aux genoux. Hein. Vous gardez bien le genou dans l'axe par rapport à votre cheville. N'allez pas plus loin que la cheville. Voilà. Laissez faire les étirements devant, là, devant la cuisse. Ça fait ouverture de hanche. Pensez toujours à bien souffler, reprenez bien votre oxygène. Vous redescendez vos bras, vous mettez une main sur la cuisse, une main au sol pour pouvoir pousser les fesses vers l'arrière. Une fois que vous avez poussé vos fesses vers l'arrière, mettez les deux mains de chaque côté de votre jambe droite ou gauche, c'est-à-dire la gauche, et vous ramenez votre petit talon pour pousser encore plus les fesses vers l'arrière. Si vous pouvez tendre la jambe devant, vous l'attendez. Ce que je veux voir, c'est vos fesses vers l'arrière
et votre dos long. D'accord ? Si vous sentez que ce n'est pas possible, vous mettez les mains avec les mains sur les hanches. Ou si vous avez un tabouret, vous pouvez vous accrocher au tabouret si nécessaire. En cas, bien souffler, reprenez bien l'oxygène. Voilà, tu peux t'accrocher au meuble, il n'y a pas de souci. Ok, et bien on repart. On avance son petit pied, on se redresse et on étire à nouveau vers le plafond. Essayez de vraiment écraser le bassin le plus possible pour vraiment sentir l'étirement devant, dans la cuisse, dans la hanche, dans le psoas. Détendez vos épaules. Si vous avez mal au genou derrière, vous pouvez mettre un coussin. Ça dépend du confort du tapis ou du sol. Descendez à nouveau. Poussez vos fesses vers l'arrière. Reculez votre talon de la jambe de devant. Si vous pouvez tendre, vous tendez. Et vous restez. De la longueur, poussez les fesses. C'est les petits os des fessiers qui doivent pousser vers l'arrière. Voilà, c'est ça. N'hésitez pas à vous accrocher à un tabouret, au meuble, si vous avez besoin. Ne forcez pas, hein, vous ne devez pas avoir mal. Vous devez sentir l'étirement, mais vous devez pouvoir être capable d'y rester. Si vous ne pouvez pas y rester, c'est que vous allez trop loin dans l'étirement. Une dernière fois, on avance un petit peu et on remonte. Voilà, on va se grandir au maximum. Voilà, étirez, allongez. Voilà, donc si vous avez bien mis votre jambe gauche devant, vous allez mettre votre bras droit croisé sur la cuisse gauche. Si vous n'avez pas fait ça, vous mettez l'autre bras. Et votre bras gauche va aller en direction du mur derrière vous. Regardez vers l'arrière et vous restez. Voilà, parfait. On relâche. On attrape le sol. On pousse une dernière fois les fesses vers l'arrière. Si vous pouvez aller chercher un petit peu plus loin en poussant le ventre dans la cuisse, vous y allez. Toujours en gardant le bassin bien dans l'axe. Ne le laissez pas partir. Ok, on relâche. Pliez un petit peu la jambe et hop, changez de côté. Posez l'autre pied devant. Ah, si vous aviez posé le pied gauche, donc c'est le pied droit. Et vous balancez le bassin au maximum devant. Essayez de vraiment aller chercher loin devant et montez vos bras en direction du plafond. D'accord ? Vous n'hésitez pas, hein, si vous avez besoin, vous posez un coussin pour pouvoir poser le genou derrière pour être plus confort. Let me tell you the story of that guy. First he loved. Ok, on pousse ça. Avec une main, on pousse les fesses. Ensuite, avec les deux mains, on ramène le talon. On essaie de garder les deux fesses au même niveau. Faites attention, parce qu'on a toujours une fesse qui a tendance à partir sur le côté. Essayez de vraiment rester dans l'axe. Inspirez bien profondément, soufflez bien, tirez le crâne, allongez le cou, baissez les épaules, poussez le dos, poussez les fesses derrière. N'hésitez pas à vous accrocher au mur ou au tabouret. Et on repart. Allez, on avance de nouveau et on se redresse. Allez, écrasez bien le bassin au maximum vers l'avant. Baissez bien vos épaules, soufflez bien. Ne cherchez pas la cambo au niveau du dos. Essayez de garder le dos vraiment dans l'axe. C'est juste le bassin avec la cuisse qui doit avancer. Parfait. On recule de nouveau. Ah. Poussez bien vers l'arrière. Essayez de vraiment garder les deux hanches au même niveau. Vous le sentez, de toute façon, on a tendance à briller pour pouvoir aller sur le, vers l'arrière. Allez, respirez, soufflez bien. Allez, on repart devant, on bascule une
dernière fois. On va chercher loin vers le haut. Maintenez bien. Voilà, n'accentuez pas le front au niveau du dos. Allez, comme tout à l'heure, on descend. Donc, le bras gauche, cette fois-ci, par-dessus la jambe droite. Et on va chercher avec le bras droit derrière. Si vous avez fait l'inverse, changez de côté. Baissez bien vos épaules. Hein. Vous inspirez bien, vous soufflez bien. Voilà. On revient, on repousse une dernière fois les fesses vers l'arrière. Basculez bien, essayez de bien vous grandir en baissant bien les épaules. Ok, on relâche. Hop, on ramène la petite gambette. Et on va venir s'installer sur le dos. Vous posez vos fesses et ensuite vous posez votre dos tranquillement sur le sol. Alors, tout va bien, c'est juste la tablette. Un petit technique. J'ai trop penché la tablette. Adieu la tablette. Hop. Elle est encore là, c'est l'essentiel. Voilà. Je ne vous ai pas perdu. Allez, posez bien votre dos et tirez bien votre crâne. Baissez vos épaules autant que possible. D'accord ? Vous allez ramener votre genou droit. Attrapez votre genou droit avec vos mains et allongez votre jambe dans le sol si c'est possible. Si vous sentez que ce n'est pas possible, vous gardez votre jambe pliée. Voilà. Essayez de bien inspirer. Et à l'expiration, essayez de bien allonger le crâne, la nuque jusqu'au coccyx et vous rapprochez le genou de la poitrine. Parfait. Vous allez garder votre genou droit avec votre main gauche et vous allongez le bras droit sur le sol. Voilà. Essayez de tirer sur ce genou pour aller l'amener en direction de la gauche. Voilà, tout doucement. Vous y allez doucement, vous allez là où vous pouvez en fonction de votre souplesse et en fonction de votre dos aussi. Allez, on serre les abdos, on revient doucement. Gardez votre jambe avec votre main, d'accord? Ce que vous allez faire, c'est que vous allez attraper soit l'intérieur de la cuisse, soit le mollet, et vous allez essayer de tendre tout doucement votre jambe. Voilà, si ce n'est pas possible de tendre, vous restez un petit peu en flexion. S'il y a des personnes qui sont un peu plus souples, vous pouvez attraper carrément le pied et tendre encore un peu plus. Voilà, je vous laisse faire en fonction de votre souplesse. Essayez d'être un petit peu en diagonale, d'accord? Ok, pliez-le et posez le pied au sol. Attrapez l'autre genou avec les deux mains. Tirez votre genou vers la poitrine. Et vous relâchez l'autre jambe dans le sol. Essayez de bien détendre au niveau du bassin. Relâchez bien au niveau de l'aine. Essayez de vraiment détendre toute la partie bassin, essayez de vous allonger au niveau de la colonne vertébrale. Je me répète au niveau de la colonne vertébrale, mais c'est important, vous devez toujours être allongé. Gardez votre genou avec votre main droite, allongez le bras gauche sur le sol et tirez votre genou comme si vous vouliez l'amener sur le sol. De l'autre côté. Ramenez doucement,
attrapez soit la cuisse, soit le mollet, et vous tendez doucement la jambe petit à petit. Si ce n'est pas possible de la tendre, ce n'est pas grave. Vous attrapez soit vers l'extérieur si vous préférez, soit vous attrapez le pied si c'est possible. Voilà, attrapez là où vous pouvez. Amen. 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 Take me to church. I'll worship like a dog at the side of the line. I'll take my sins and you can. On ramène doucement. Attrapez les deux genoux à soi avec vos deux mains. Et là, étirez bien votre crâne, allongez bien tout votre dos. Et faites des tout petits cercles avec vos genoux. Arrondissez, faites des tout petits cercles. Dans le sens inverse. Ok, on relâche. On va venir doucement sur le côté. Venez vous mettre sur le côté. Appuyez sur vos mains. Et revenez sur les genoux. Basculez vos fesses vers l'arrière. Et allongez vos bras loin, loin devant. Essayez de ne pas poser le front, essayez de bien étirer le crâne jusqu'au coccyx. Appuyez sur vos mains et déroulez doucement vertèbre après vertèbre, la petite tête en dernier. Voilà, posez un petit pied devant, appuyez sur votre cuisse et redressez-vous doucement. Voilà, tirez les bras au-dessus de la tête, allez chercher loin vers vous. Relâchez, inspirez, montez vos bras, allez chercher loin vers vous. On relâche, une dernière fois on inspire, on va chercher loin vers vous. Et on relâche. Merci. Bravo.